voulez apprendre à jouer comme mon ami Patrick, ben je vais vous montrer comment. Donc, première étape, on va prendre la cuillère ici, et avec l'index de notre main dominante, on va venir le placer entre les deux branches de la cuillère, pour le laisser assez libre, pour qu'elle joue normalement, et de mettre notre pouce sur le dessus ensuite, pour la tenir fermement, et venir frapper sur notre cuisse comme ça ici. Ensuite, on va rajouter notre main à environ 10-15 cm du genou, pour pouvoir bien jouer entre les deux. Je vous conseille à la maison de commencer en tenant un rythme assez simple. Vous voyez ici, on peut accélérer, on peut ralentir aussi. Ou s'essayer aussi avec le trot du cheval, qui fait galop, 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 galop. Une autre technique qui peut être très intéressante, d'ouvrir notre main assez grand, garder nos doigts bien fermes, et les frapper un après l'autre. En gardant un angle d'environ 45 degrés, on a qu'à les glisser ensuite comme ça sur nos doigts. Et une dernière chose, si vous voulez modifier le son de la cuillère, vous n'avez qu'à bouger votre main. Vous voyez? Le côté de la main, le poing, le haut de la main. Donc le son va changer tout dépendant de la position de votre main. Et ensuite, c'est là que le fun commence.